Good Morning Business, la pépite. Et nous recevons ce matin Louis de Gouillon-Matignon, fondateur de Toucan Space. C'est votre pépite, Lorraine Goumeau. Oui, je pense que c'est une des plus belles pépites qu'on a reçues ce matin. Je vais vous expliquer ce que fait Louis. Eh bien, sa société permet d'envoyer des objets dans l'espace et, je le dis tout de suite, de les récupérer également. Louis, vous travaillez avec des grands noms de l'espace, la NASA, mais aussi la société d'Elon Musk SpaceX. Pitchez-nous en deux, trois phrases ce que fait Toucan Space. Toucan Space, c'est une société qui vous permet d'envoyer vos objets dans l'espace et de pouvoir les récupérer. On offre deux destinations, on offre l'espace dit suborbital, c'est-à-dire que nous partons avec une fusée sonde qui va faire un aller-retour dans l'espace, ou sinon nous partons sur la capsule Dragon de la fusée Falcon 9 d'Elon Musk et nous restons un mois arrimés sur la Station Spatiale Internationale. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de faire ça? Il y a eu une demande ou c'est vous qui vous êtes dit on va faire ça et les gens sont venus à vous ensuite? Il y a eu plusieurs choses. D'abord, je viens d'être diplômé docteur en droit et j'ai fait ma thèse en droit de l'espace, c'est-à-dire que je me suis intéressé au contrat de service en orbite. Et ensuite, dans le cadre des différentes rencontres que j'ai pu faire, nous vivons vraiment un moment charnière dans l'histoire du droit de l'espace et du spatial, qui est celle du New Space. Et dans ce cadre-là, j'ai pu rencontrer des acteurs qui avaient envie d'envoyer des objets dans l'espace et de démocratiser l'espace, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Toucan Space. Démocratiser l'espace, dire aux gens, aujourd'hui, on peut envoyer des objets dans l'espace et on peut rêver, on peut toucher l'espace. L'idée étant bien évidemment pas forcément que de faire du profit, mais surtout de pouvoir vraiment générer, de pouvoir stimuler les gens à aller dans l'espace et que la France, que l'Europe, en somme, puisse se projeter comme une puissance spatiale propre. Mais justement, Louis, on a envie de vous dire, vous travailler avec la NASA, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas aujourd'hui avec un acteur européen pour faire ça? Alors pour une raison qui est que l'Europe, qui a trois vecteurs, qui a trois lanceurs, Ariane 5 aujourd'hui, Vega, Soyuz, ne peuvent pas rapporter les différentes charges utiles sur Terre. Ce sont vraiment des livraisons en orbite, en général de satellites, et en général de satellites dits géostationnaires, à 36 000 km d'altitude. SpaceX, à la différence des lanceurs européens, ramène les matériaux sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons envoyé différentes choses. On envoie des patchs comme ceci, qui sont des écussons qui volent dans l'espace, mais aussi des cartes postales. Donc si par exemple vous êtes une personne qui a un petit-fils ou une femme qui est fan de cartes postales spatiales, vous pouvez envoyer cette carte postale et posséder quelque chose qui est allé dans l'espace. Vous venez de répondre à ma question, Louis. Je me disais, au point de vue marketing, pardon, parler bassement marketing, mais ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout un chacun finalement. Ça s'adresse à toute personne qui veut toucher l'espace et l'idée étant aussi de pouvoir vraiment créer des événements autour du spatial, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de préparer le Space Art. Le Space Art, nous allons demander à 100 artistes qu'ils nous proposent des petites cartes postales, encore une fois, de 10 cm par 10 cm. De ce qu'est leur vision du futur. Nous allons l'envoyer dans l'espace et ensuite le revendre sur Terre dans une galerie d'art. L'idée étant de démocratiser l'espace par l'art. Ça commence en novembre, là, la première mission, c'est ça? Comment ça va se passer? Alors, nous avons un premier tir avec SpaceX, donc en novembre, depuis Cap Canaveral en Floride, aux États-Unis d'Amérique. SPX-21, nous avons tiré 1 kg de marchandises, principalement des cartes postales, des marque-pages, des autocollants ou des écussons. On espère qu'on va pouvoir vendre la cargaison. Alors, ces objets volent à 28 000 km/h, c'est ça? Oui. Alors, les objets, quand ils sont sur l'ISS, volent à 28 000 km/h, font grosso modo 16 fois le tour de la Terre par jour. Toutes les 90 minutes, l'ISS fait un tour de la Terre et reviennent au bout d'un mois. Ils splash down, comme on dit aux États-Unis, dans l'océan Atlantique, dans la capsule Dragon. Il n'y a pas quand même un risque que ça alimente? Alors, c'est un sujet qui ressort de temps en temps, celui de la pollution dans l'espace. Voilà. Alors il peut y avoir un sujet autour de ça? Alors c'est un vrai sujet, les débris spatiaux sont encadrés par le droit de l'espace. Le droit de l'espace, c'est vraiment quelque chose qui est respecté, qui est tant respecté sur le plan onusien que sur le plan national. On a des normes ISO en droit de l'espace pour justement respecter les différents chemins orbitaux. L'idée, c'est qu'avec Toucan Space, en fait, rien ne reste dans l'espace. Et en fait, on va combler tout l'espace qui est disponible sur les missions scientifiques. Parce que bien évidemment, l'espace reste destiné aux scientifiques. Mais nous, dans la mesure où il reste toujours peut-être 500 grammes, 1 kg de marchandises, et ben nous, justement, c'est là où on place nos différents objets. Ouais. Pour conclure, Louis, un mot. Donc, en gros, c'est presque 200 euros pour envoyer, disons, une carte postale comme celle que vous avez amenée. Quel est votre business model et quel est le futur de votre société dans 2, 3, 4 ans? Alors, l'idée, c'est qu'à partir de 200 euros, vous pouvez obtenir un sticker ou un peu plus un écusson. À partir de 300, 400 euros, vous avez des cartes postales. L'idée étant qu'en fait, ce business puisse alimenter un autre business un peu plus sérieux qui viendra créer des satellites et que ces satellites seront un peu de nouvelle génération. J'en dis pas plus parce que pour l'instant, le sujet est encore un petit peu à travailler. Mais l'idée, c'est qu'en fait, cette société Toucan Space puisse générer des revenus pour financer une autre société dans le domaine de l'aérospatiale et encore une fois pour que la France, l'Europe puisse se hisser haut dans les couleurs du spatial. Il doit y avoir une limite quand même en poids, ne serait-ce que ça là. Vous parlez d'un kilo d'objets, c'est ça? Oui. Qui va être envoyé au mois de novembre, mais vous pouvez aller jusqu'à combien? Parce qu'on n'envoie pas ce qu'on veut dans l'espace non plus. Ça doit être des tout petits objets et il doit y avoir une certaine quantité maximale, j'imagine. Alors ça, c'est le grand dam, n'est-ce pas? On doit vraiment travailler vraiment au corps avec la NASA. Oui. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 6 et 8 mois de négociation avec la NASA. Les documents à remplir, c'est ça. Oui. C'est la composition, le papier, tout. Donc c'est vraiment
vraiment très compliqué. En général, on a entre 500 grammes et 2 kilos parce que, comme je vous l'expliquais, tout est réservé principalement pour de la recherche scientifique. Donc nous, on vient vraiment se hisser dans toutes les petites interstices qu'on puisse trouver pour y mettre différents objets. Je pense notamment qu'on va envoyer des alliances bientôt d'un couple qui va se marier. Donc voilà, pour dire que l'amour peut aller jusque dans l'espace. Voilà. Et Louis, est-ce que la NASA ou SpaceX avec qui vous travaillez a déjà une idée de quel va être le projet dont vous servez, que vous êtes en train de financer, sans nous dire ce que c'est? Oui, ils y sont au courant puisqu'ils sont partenaires avec nous du projet. Je suis en étroite relation donc d'un côté avec la NASA et d'un côté avec SpaceX. Et la NASA va d'ailleurs faire un coup de communication, ils nous ont dit, à partir de début novembre sur SpaceX-21, donc sur cette prochaine mission avec Elon Musk, le lanceur Falcon 9, pour pouvoir justement parler de Token Space et expliquer en quoi ce projet s'insère dans une vision un peu plus longue. Louis de Gouillon-Matignon, fondateur de Token Space, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci de Good Morning Business. Merci Lorraine pour cette très belle pépite.